Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Bah, pour une humaine qui débarque comme ça, pour une mortelle, maintenir les visions lointaines, c'était quand même assez... Enfin... Ok. Chercher la touche. Ok. Rien ne la choque, hein, c'est quand même bizarre. Ok. Pas trop l'intérêt de ce système, mais pourquoi pas. Tac. Et comment il alimente la torche de la sœur Institute. Mais c'est magique, là, on est sur la terre des dieux, j'imagine. Bon, je commis à... Bon app à toi. Le fameux TGCM peut marcher ici, du coup. J'ai l'impression que l'ambroise est très importante. Hein. Ok, il y a un moment où... Ah oui, ok, il y a même jusque là-bas. Défi d'Ulysse. Ouais, mais tu passes 3 heures à tout révéler à ce niveau-là. Ok, les trucs se valident, c'est pas plus mal. Ça m'évitera de... Ok. Je vais faire des allers-retours. Ah, c'était juste derrière, du coup, non, c'est bon. Parce que s'il y a des choses à mes pieds, autant les retrouver tout de suite. Ah. Et 3 heures plus tard d'analyse. Ça se trouve, j'aurais moyen d'acheter des cartes pour tout révéler aussi. Je sais pas quel niveau de collecte propose ce jeu de... Si j'ai passé 3 heures à tout collecter, mais je vois des signes qui se ressemblent pas surtout. Et je connais pas la taille de cette carte d'ailleurs. De faire plus rapidement, mais ok, il y a des trucs côte à côte. Ah bah il y a des trucs aussi au fond, évidemment. Ça peut être trop simple sinon. Même tellement loin que je les vois même pas s'afficher du coup. Ah bah ça c'est de la vision hein. C'est tellement facile de louper un truc.
Là. C'est de balayer au maximum pour voir. Ah, c'est là, hein. Il y a une sorte de cercle. Non? Ok. Celui-là, je le voyais loin. Comme ça même, comme ça je peux louper du coup. Là. Ok. Je peux sauvegarder après tout ça parce que... J'ai envie de tout recommencer. Si je meurs. En tombant. Ok. Donc effectivement c'est bien un brouillard de guerre à lever. Ah oui non, les photos tu peux les enlever, coco. Voilà. Donc chaque truc je vais devoir le fouiller. Let's go. Comment descendre? L'étang. Terminé, arrivage étranger. Nouvelle quête, vie et mort. Le nom de la caisse s'affiche en haut à gauche, en haut à droite. Ok, c'était en haut à gauche. Comment descendre? Vite. Attends. Ah mais... Eh. Ah non, je... Non, non, c'était beaucoup trop violent. Bah, par où tu voulais que je descende? Waouh. À chacun de ses pas, Phoenix sort la lame de Lydiron. Sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille. Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Est-ce que du coup c'est le fameux classique je cache quelque chose derrière une cascade? Ah zut. Déçu. Oui, déçu. Oh, c'est quoi cette façon de plonger? Ok. Non, je voulais la carte. Donc là, faire défiler les icônes. Non. Déplacement rapide. Ok, c'est un TP. Non, on peut TP sur tout? Ok. Non, je vais aller petit à petit pour voir ce que c'est à chaque fois. Découvrir à quoi ça sert, ce que ça donne. Muse, Muse, chante Hermès, le messager des dieux. Pour réussir le défi mythique, mémoriser les mélodies. Immortels. Ils n'en tirent guère profit, mais. Dans la nuit noire, il joue sans cesse des tours. C'est joli. C'est de qui, ça? Mon poète préféré, qui, étrangement, n'a pas encore vu le jour. Mais je crois que j'ai vu sur la carte. Ah, par contre, le fait que ça ouvre pas la carte. Oui, c'est un clic sur l'inventaire, c'est ça? Ok. Et je maintiens la touche carte. Ok, ok. Ok, il y a des notes. Défi mythique, petite lire. Grande lire.
Ok, j'imagine que je dois récupérer 3 notes et ça déclenche un truc ici. Et ça apparaît ici. Ah, par contre, je vais avoir du mal à m'y faire ce truc. Hein. Et. Petite musique à chaque fois. On change de tout, c'est pas possible. Je m'y ferai pas. Option. Commande. Gameplay peut-être. Quand je l'ai vu ailleurs. Ah, raccourci, carte. De carte. Évidemment, l'habitude d'appuyer sur cette touche pour afficher la carte. Mieux. Est-ce que les coffres aussi, quand je les ramasse, ils se valident? J'ai pas de sprint par contre. Ah oui, ok, non, ça on peut éviter. Ah, il y a des mobs. Bonjour. Je vais prendre cher là. Lui aussi il esquive. Ok, le... Ok, il a un triplé quand il se lève. Le fait que je focus pas... Si, c'est ok, on peut le focus. Alors ça c'est très con de ma part, mais... 1, 2 et 3. Ça, je suis retenu. 1, 2 et 3. Apparemment... Oh, il faut que je continue à diriger tout le temps, sinon j'attaque mon mauvais endroit. Ok. Le focus ne sert à rien. Ok, 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 ok. Et effectivement, je régène hors combat. Ok, ok. Un cristal au bout, j'imagine que ça se récolte. Ok, en tapant dessus, bien évidemment. J'étais venu ici pour un coffre à la base. Il est en dessous. Ok, défi Ubisoft, soit. Voilà. Je peux casser ça? Non. Pourquoi il y a des haches là? Ah, c'est exactement le même bruit que de nage que Assassin's Creed. Ok, 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 ok. Je crois que le jeu est en train de me dire trop tôt. Ça. Ah, on peut mettre plusieurs icônes. Ok. Ok, ok, ok.
Ah, je perds de l'endurance sans remonter. Je peux me noyer ? Étrange. Je dois rejoindre l'autre côté à la nage. Ok, on peut se noyer quand on fait trop de distance, peut-être pour limiter. L'ambroise, elle est où, elle est là ? Limiter la map, une façon de limiter la map, j'imagine. Ok, qu'est-ce que c'est ? Phoenix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Qui frappe à ma porte ? Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour ? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Ok. Explorer la mystérieuse crypte. Ok, je suis tombé dedans. Voilà, c'est terminé pour Phoenix. Ok. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein. Mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow. Mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. L'enfer. Entrer dans passage dans l'abîme. Une tête sur 3. C'est niveau de difficulté ou faut faire 3 fois ? En effet, quel était ce lieu étrange ? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phoenix ? Le tuto. Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phoenix était dans le salon. Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense ? Non. Allez, continue. Tu es très courageuse ou très stupide, petite ? Ah oui, il y a deux choix. Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu ? Eo ! Ah, ça fait des allers-retours tout seul, ok ! Non, je pensais qu'il fallait les désactiver et repartir de l'autre côté. Ça fait des petits raccourcis. Mon premier coffre, oui. Oh bah. Potion, potion. Et surtout des cristaux. Par contre, je sais pas pourquoi ça s'allume. Ou c'est un checkpoint peut-être. Ça ressemble à l'icône de sauvegarde. Ah, et de toute façon, je ne pouvais pas. Et les directement. Ah, les ailes là. On voit dans la cinématique. Des ailes ? En les caressant de la main,
Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux, comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Non. Je me demande comment elles fonctionnent, si elles fonctionnent. Ok. Et du coup, je vais avoir le double saut. Waouh ! Elle marche vraiment ! Mais ça consomme de l'endurance. On peut optimiser comme ça. Ça change pas. La hache. La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des héroïnes. Vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformée en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Ah, et le tuto arme puissante, c'est ça j'imagine. Et ok, pour c'est les touches habituelles. C'est pour zoner. Et ceux qui sont protégés avec un bouclier. Est-ce que je peux faire quelque chose de spécifique quand ils sont assommés? Jauge d'étourdissement. En plus, c'est la jauge d'étourdissement, l'ennemi, les attaquants. Les ennemis étourdis ne peuvent agir et subissent temporairement plus de dégâts. Ok. Il n'y a pas de fatality à l'étourdissement. C'est quoi? Mais c'est l'un de mes éclairs! Dispersé, dissimulé par Typhon. C'est fini! Un tas de cendres, la petite Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? Bon, on va tester, hein? Écoute. Une réplique de la foudre de Zeus? Je le crois pas! Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Qu'est-ce qui m'arrive? Adieu, mortel! Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça! Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Ok, et du coup je ressors de la crypte comme ça, j'imagine. Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais ? Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie, un inventeur nommé Dédale, et de ses ailes extraordinaires. Collecter de la foudre peut-être de Zeus dans le clip, c'est un tard, afin d'augmenter l'énergie maximale. Super. Donc, du coup, j'ai... Ah mais... Peut-être qu'elles sont maudites. Je sais pas. C'est peut-être pas le nombre de barres qui augmente, c'est parce que du coup ça prendrait trop de place. Mais Ah oui, du coup il y a plein de choses qui sont apparues évidemment. Ok. Ok. Pour procéder à la désamélioration, rendez-vous à la forge. Okay. Oui, j'en suis encore loin de ce qu'il faut. Et du coup j'ai récupéré de quoi qu'est-ce qu'il a bloqué là? Il a bloqué le mot douche. Ok. Bon, je me suis
Je suis HS, donc je go à la douche et au pieu. Ok. Et bah, bonne nuit à toi. Hein. Repose-toi bien. Bisous. Ah, je peux courir, enfin. Ok, ok, ok. Ah, et l'attaque puissante dans les airs. Ok. Est-ce qu'il se valide le truc? Parce que je vois pas si c'est validé. J'imagine que oui. Ah, mais du coup, je vais peut-être pouvoir ouvrir le coffre. Et la quête principale m'envoie sur ce pont. Oh, je vais faire tout ce qu'il y a à côté avant. Faut découvrir tout ça quand même. Ah, je peux pas sprinter dans l'eau. Alors, est-ce que la grosse hache est nécessaire pour casser ça? Là, pareil, c'est logique. Ah, ambre dorée. Collectez l'ambre dorée afin d'accroître la puissance de vos potions. On en trouve... on trouve de l'ambre dorée dans des coffres, blablabla. Une... jarre? Je vais l'emporter, au cas où. Oui, bah ça servira à un moment donné, j'imagine. Du coup, l'amélioration des potions... c'est ici. Ah, c'est un objet de quête. Cette jarre en bronze peut paraître vide, mais pour Arès, c'est une source de gêne. Hein, enfin, j'y suis pas encore. Ok. Pour améliorer des potions, rendez-vous... ah. Bon. Pour l'instant, je ne peux pas utiliser tout ça. Le défi mythique Ulysse. C'est-à-dire que j'y crois pas une seule seconde dans le sens où j'ai pas d'arc pour l'instant. Donc je peux sans doute pas traverser. Je peux faire monter là-dessus en attendant. Oh! Je peux pas tenir là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ok. Il passe de cette couleur-là. Ah, j'ai eu du mal à m'y faire aussi de... qu'il y a plusieurs couleurs de... ouais. Ah non, la vie remonte... ok. Parce que la prochaine barre...